Les têtes de sur, nouvelle émission, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des Têtes de Sion. Et on se trouve donc juste après la fête de Pourim, et donc bienvenue à tous. Hein. Et on a emmené... Oui, bonjour monsieur, ouais, on va te présenter tout de suite. Ouais. Hein. Il est là, il trépigne, hein. il est venu. Bah, puisque moi, je voulais commencer, on va dire, ladies first quand même. Hein. On va prendre d'abord les femmes dans bien cette, hein, dans cette émission, donc vous l'avez déjà vu. Voilà. Ouais, c'est les femmes. Donc les femmes. Donc, donc à ma gauche, elle revient pour la troisième fois, je pense. Troisième, quatrième fois, hein, comme c'est le premier jeu, hein, on est content à chaque fois qu'on devient. Chichi Berda est avec nous, salut Chichi. Salut. Voilà, à sa gauche, vous avez reconnu, il est déjà venu aussi plusieurs fois, il est revenu aujourd'hui. C'est la deuxième fois, je crois. C'est la deuxième fois ? Ah, c'est tout ? Mais ça fait plusieurs. Bah, ça fait plusieurs. Voilà. Je suis très, très, très heureux. Ça fait plusieurs, exactement. Le voyagiste Michael Aik est avec nous, salut Michael. Bonjour. Voilà, et au bout de la table, là, il revient aussi pour vous la deuxième fois. Bleu, hein. D'ailleurs. Tout à fait, oui. Ouais. Directement dans la Canebière. Directement, oui, j'arrive, j'ai atterri à ma foi. J'ai accouché la semaine dernière. 2h30. Je me suis dit que j'allais venir pour la tête de. Voilà, avec l'accent. La tête de Sion. Il amène à l'accent du Sud. Alain Moyal est avec nous. Salut Alain. Salut Kiki. Et alors voilà, aujourd'hui, mission spéciale, puisqu'il est venu directement avec son jet privé de Paris, hein, directement des Champs-Élysées. Ouais. Hein, moi, j'ai entendu qu'il y avait des problèmes d'audience ici, que l'émission battait un peu de l'aile. Voilà. Donc voilà. Tu t'es dit, tu vas venir refiler un coup de main. Je m'occupe de la tranche d'âge des enfants de moins de 8 ans, les garçons. L'agente féminine de plus de 60 ans. Parle bien dans le micro. Ouais, ouais, d'accord. Et ben, vous l'avez, je sais pas si vous le connaissez, mais nous, on le connaît en tous les cas. Manu Kaufmann est avec nous. Salut Manu. Salut Manu. Merci à vous. Voilà, et ben, pas de problème. Très bien. Et ben, tout le monde est présenté. Et ben, on est content. On est là. Ah, on est très content. Voilà. On veut rajouter quelque chose encore. Ben, je voudrais juste dire quelque chose. Ça reste des adversaires, mais c'est néanmoins mes amis. D'accord. Donc, puis je voudrais. Donc, soyons fair play. Je voudrais féliciter Alain Moyal, parce que c'est tout à son honneur. Il a un cabinet d'expertise comptable, mais il a privilégié la tradition à la qualité, donc lui c'est encore à l'ancienne. Oui. Bon, bravo. Qu'est-ce qu'il y a, on écrit ? Il n'y a pas d'ordinateur ? Pas d'ordinateur. On écrit les comptes à la main encore. Logiquement, j'aurais dû être à côté d'Alain quand même, on est du sud. Ben ah, oui. Le vous êtes, le sud contre Paris. Je veux bien ce deal. On est beau contre les villes. Hein, ouais, 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 dans le sud, on redouble jamais. Ah, on redouble pas. On redouble pas. D'accord. Très bien. Eh bien, d'ici, on va directement à la première question. Elle fait péter. Alors, la première question, donc je rappelle, c'est le principe de cette émission. Je vous pose des questions. Toutes mes questions ont un rapport avec le monde juif ou le sionisme ou le judaïsme. D'accord ? Moshé. En général. Presque. Non, c'est des... Oui, c'est ça va comme ça. Que... Il n'y a pas de champignon. Je reviens à Paris avec la coupe. Hein. Il n'y a pas de champignons ici. Mais la première question, c'est toujours une question en rapport avec la Bible. Et donc, ma question aujourd'hui sera très simple. On va vous poser une question. Où se trouve le plus long verset de la Bible ? C'est ma première question du jour. Alors Bereshit ? Non, Bereshit ? Non. Sefer Bereshit ? Sefer Vaikra ? Non. Sefer Shemot ? Devar Midbar ? Non. Shemot ? Shemot ? Non. Ouais, c'est pas le jugement de la Bible. Dans la Bible, t'as dit. Je répète la question. Bible. Où se trouve le plus long verset de la Bible ? Non, Tanakh, d'accord. C'est pas la Torah, d'accord, évidemment. Voilà. Alors comment tu peux dire que c'est pas dans les Nevim ? Shmuel. Non. Shmuel, j'avais dit. Pas dans les Nevim. Shoftim. Yov. Je chauterai. Dans une Megillah. On n'a pas. Dans une Megillah. Quoi, dans une Megillah ? Megillah Esther. C'est dans Megillah Esther. Ouais, ouais, exactement. Les filles de Rabin. Fils de Rabin, fils de Rabin. Mais on voit que Titi, elle a l'expérience. Ah, ça y est. Bravo. Ça s'est posé la question. Ah bon, d'accord. Moi, c'est grâce à nos parents. Je sais pas, c'est grâce à nos parents. Si on fait pas le sud contre nous, on peut faire effectivement les enfants de Rabin contre les enfants de la rue. Les voyous. Les enfants de la rue, ouais, peut-être, ouais. Les gilets jaunes. Ah, les gilets jaunes. Bleu, on va parler peut-être avec Manu. On va en parler. Il a dû les voir passer là sur les Champs Élysées. Et bien effectivement, la bonne réponse c'est tout à fait ça. C'est dans Megillat Esther, Perekret Pasuk Tet. Alors voilà, je vous le mets à l'écran. Et combien de mots alors là, vous l'avez à l'écran ? Allez, là, 43 apparemment. Non, combien de mots ? Comment ça 43 Oui, 240. Oui, il y a 43 mots. Comment tu sais ? Putain, je me dis attends. Il est trop fort. Eh bien, s'il est comptable. C'est pour ça. À l'ancienne. C'est bon.
te jure. Ah, c'est ton jour de chance alors. Il a vu là, il a vu la photo direct, il a dit à 43 là, il fait voir. C'est comptable. Ah bah exactement. Et toi, tu fais du 42, ça. 43 mots. Attends, combien de lettres? Je sais pas, au pif, regarde, ben, regarde. Priori, allez, voilà. Moi j'en vois. À la pesée là, ça, hein. À la pesée. 197 mais... Non. Oui, 193 Oh là là, là, il est trop fort. Effectivement. Il est bon, il est bon. Hein, le plus long. Je me sens un peu ridicule, moi, mais bon. Mais tu l'es. Le plus long pasouk, donc de, le plus long verset donc, de la Bible, et se trouve effectivement dans la Megillat Esther, Perikret Pasouk Tet, Vaikaru Sofremeler Baitaï, Bachodesh Hashilishi ou Chodesh Sivan, Bishlosha Vesrimbo, Vaikatef Korachar Tiva Mordechai, El Ayudim, Velachajar. פניבה פחות ושרי המדינות אשר מהודו ועד כוש שבע ועשרים ומאה המדינה מדינה ומדינה ככתבם ועבם כלשונו ואל היהודים ככתבם וכלשונם וואלה c'est dans le... on en sort on n'a pas les rachanim il y a le plus grand mot aussi le plus long mot là. Alors Khajdar Penim ouais c'est possible que Khajdar Penim ce soit le plus grand mot du Tanar j'ai pas vérifié mais c'est pas impossible du tout ouais bonne remarque Mickaël merci de ton intervention. Oui, mais tu veux nous parler de Pourim, Kiki? Oui, non, Pourim, non, j'espère que vous comment s'est passé ton Pourim? Vous avez passé un bon Pourim? Bah écoute, bon, ça va, oui, ça s'est passé, hein. Voilà, on a fait des bêtises. On a fait des bêtises? Non, on a fait des bêtises, on a voulu faire des bêtises. On a voulu faire, mais on l'a pas fait, on s'est retenu, hein. Voilà, on a pas fait de bêtises. Par contre, Monsieur Kaufmann, elle est les bêtises sur les Champs-Élysées en ce moment. Oui, il y a eu des bêtises. Non, on n'a pas fait de bêtises, nous. C'est Pourim tous les samedis, pour c'est Pourim en France. Ouais, c'est Pourim. C'est ça, en fait, c'est Pourim tous les samedis. Ils ont tout enlevé. Ils sont déguisés en jaune, c'est Pourim. Ils sont jaunes, ils ont tout enlevé, ils ont tout cassé. Ouais, ils viennent déguisés aussi, hein. En noir, je sais pas. Il y en a déguisés, ils ont des masques, ils ont des. Ouais, ils sont fous furieux. Ils sont fous furieux, ouais. Non, c'est quoi, mais quoi. Mais je suis pas venu pour parler de ça. C'est moi. Ah bah d'accord, ah bah, on va passer à la question numéro 2. Allez, fais-moi péter. Alors, la question numéro 2, on va sortir complètement, bien sûr, du monde de la Bible et on va sur tout à fait autre chose. Alors, écoutez-moi bien, qui sont ces deux juifs? On va mettre les lunettes. Alors, on a les lunettes. Voilà. Qui sont ces deux juifs ashkénazes qui furent victimes à de nombreuses reprises d'injures antisémites, ce qui contribua à fonder entre eux une forte amitié. Alors, c'est qui ces deux juifs? Deux juifs ashkénazes qui... Nous, on a un peu d'avance. Dreyfus. Pas, hein, pas du tout. Oui. Ah, deux juifs ashkénazes. Dreyfus, c'est pas ashkénaze. Kaufmann. Ok. Non, on parle bien. Parce tu peux que si répéter on... la question, s'il te plaît. C'est deux potes. Problème alors, de sémantique. Bien. Qui sont ces deux juifs ashkénazes qui furent victimes à de nombreuses reprises d'injures antisémites, ce qui contribua à fonder entre eux une forte amitié? Moi, je crois en connaître un. Alors, ils sont très connus. Ouais. Non, il faut me dire, c'est deux potes. Starsky et Hutch. Starsky et Hutch, alors c'est une bonne idée, mais c'est pas eux. C'est pas eux. Non, mais c'est il y en a pas, eux. Ils s'appellent pas Willy. C'est un Willy. Willy. William ou un truc comme ça. Oui, t'as dit. Tu peux regarder, toi, non? Ouais. T'es un peu. Ouais. Mais tout ça. Hein, mais vas-y, mais continue. Il a louché sur ma feuille. Il a louché. Non, bien sûr. Mais c'est pas le bac à l'oreille, là. C'est pas du tout le style de Manu. Je peux pas. Non, c'est son style. Ce sont des journalistes, des acteurs. Alors, écrivains. Alors. Écrivains. C'est pas des écrivains. Moi, je te réponds que par oui ou par non. Alors, reprends. Ce sont des journalistes. Non. Des écrivains. Non. Des sportifs. Non. C'est pas des acteurs. Français. C'est des acteurs. Ouais. Ah, acteurs. C'est ça. Américains. Bruel. Patrick Bruel. C'est des acteurs. Ashkenaz. C'est pas Laurel Hardy. Justin Hoffman. Non. C'est deux potes. Alors, je vais vous donner Simon quand même une petite précision. Vous les connaissez peut-être mieux sur leur nom, donc, puisque c'est des acteurs. Leur nom de scène, quoi. Ouais, pas leur nom de scène, mais leur nom dans les rôles qu'ils jouent, plutôt que leur vrai nom. Alors, ils sont de notre époque ou ils sont plus vieux que nous? C'est quoi donc, notre époque? C'est quel siècle, ça? 1800 Chichi. Nous sommes des vilains, toi. Comment ça? Alors, oui, alors quoi? Qu'a dit? J'ai pas entendu quelque chose, qu'a dit? T'as dit quoi? Simon et Garfinkel? Non, qui a dit quelque chose? Moi j'avais dit Starsky et Hutch, mais non, c'est pas ça. Alors est-ce qu'ils ont 50 ans? 60 ans? Non, ils ont plus. Plus, 80. C'est jouer le rôle de policier dans des films? Je sais qui. Roger Moore et Tony Curtis. Avec votre? Roger Moore est pas juif. Ah bon. Mission Impossible. Tony Curtis est Tony Curtis est juif. Dans Mission Impossible, non? Non, c'est pas dans Mission Impossible. Alors dans quelle série? Ouais, c'est une bonne idée. C'est une série? Ouais, ils ont joué ensemble dans une série. Américaine, j'imagine? Ouais, américaine, ouais. Robert Conrad? Non. Pas dans quelle série? Les Mystères de l'Ouest. Non. C'est des Américains. C'est une série américaine. Ouais. C'est une série américaine. Américaine. Ouais. Ce serait pas Dallas?
Non, pas Dallas. Dynasty ? Non, non. Les Feux de l'amour ? On monte en niveau. Non, pas les Feux de l'amour. Alors. Alerte à Malibu ? Non, non, non. Qu'est-ce qu'on a comme série ? On va dire, on est plutôt dans les années 60, 70. Ah, comment il s'appelle ? Ah, comment il s'appelle ? Le détective, là. Non, Chapeau le détective. De cuir. Non, mais on c'est ces années-là. Ah, alors qu'est-ce qu'on avec a comme série ? Là. Avec un X, Envahisseur, c'est Manix. Pas Envahisseur, Manix, c'est pas ça. Alors on est dans quelle série? Comment il s'appelle le détective là, toujours avec son Colombo. Colombo. Ouais, mais c'est pas non. deux. Non, c'est pas, il... Lui, ils sont deux. C'est ouais. pas, deux dans ils sont... la série. Non, ils sont pas. Ils jouent ensemble dans la série, mais c'est pas un couple dans la série. C'est pas Chapeau Melon et Bottes de Cuir ouais. ou Amicalement Vaut. Ouais. Ah, ouais. Mais ils sont ensemble dans la série. Ouais. C'est deux juifs qui sont devenus copains. Je vous donne un indice. Je vous donne un des deux. Un des deux a joué un autre rôle au cinéma. Il a joué dans un film qui parle d'Israël. Ça Kirk vous êtes Douglas. Pas. Ça vous êtes pas. Non. Non, pas Kirk Douglas. Il a joué. Bah, peut-être que vous le savez maintenant. Il a joué le mari de Golda Meir. Oh purée. Il y a eu un film qui s'appelle Golda avec Ingrid Bergman. D'accord. Vous avez vu. Je sais pas si vous avez vu ce film avec Ingrid Bergman. Il a joué son mari. Ça vous êtes pas. Tant mieux. Alors, on recherche une. Ford, on recherche une série. Je sais pas quoi. La Ford. Il y a pas un acteur. Alors une série qui parle de quoi? Essayez de trouver de quoi ça parle. Alors c'est des policiers. Non, pas policiers. Des avocats. Non. Non, c'est moderne, des avocats. Non, ah ouais, non, non. Non, pas les avocats. Qu'est-ce qu'on a comme des séries, comme autre série? Donc, les policiers. En général, c'est ou policiers. Ouais, non. C'est paranormal. Paranormal, non, pas paranormal, mais on va normal, dire. Normal, alors. Normal, c'est une série normale, alors. K2000. C'est normal, mais c'est pas para. Alors, c'est de la science-fiction. K2000. Science-fiction. On est dans la science-fiction. Ah, mais comment. Star Trek. Star Trek, oui. Alors, et donc, c'est qui? Star Trek. Eh ben, c'est Leonard Nimoy. Oui. Et William Shatner. Exactement, c'est Capitaine Kirk et Spock. Exactement, et Monsieur Spock. Exactement, ce sont les deux potes. Vous les voyez, et ben, c'est deux juifs, il faut le savoir. Voilà. Ah, je savais que Spock était juif. Oui, mais je savais pas que Capitaine Kirk. Tout à fait. C'est William Shatner et Leonard Nimoy. Donc, Capitaine Kirk et Monsieur Spock. On allait déjà dans la Lune à l'époque. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Donc, je vous le dis un peu sur Leonard Nimoy. Je vais rattraper. Donc, Leonard. Il croit qu'il est avec un public. Leonard Nimoy, qui est donc Monsieur Spock, est un acteur, réalisateur, scénariste, photographe, producteur et chanteur américain, né le 26 mars Star Trek. 1931 à Boston et mort le 27 février 2015 à Los Angeles. Né de parents juifs orthodoxes de culture yiddish, originaire de Izaslav en Ukraine, quand même. Hein. Faut quand même aller chercher, c'est du lourd. Hein. C'est du lourd hein. Leonard Nimoy. Zichrono Livracha. Écoutez-moi bien. Petit 2 points. Petit 2 points. Vous nous laissez parler. 2 points sur 4. Je fais un petit aparté. Je le trouve très beau. Je le trouvais moins beau avant. Et là, je le trouve très beau. Il a pris de la bouteille. Attends, tu veux pas m'interroger sur l'agence? Laisse-moi, enfin, c'est sûr, on va t'interroger. On va te faire de la pub aussi. Ouais, on va te faire de la pub. Mais écoutez quand même sur Monsieur Spock, quand même, parce qu'il faut savoir. Monsieur Spock, il imaginez-vous que Leonard Nimoy, il parle même le yiddish avec ses grands-parents. Hein. Monsieur Spock parle le yiddish. Wow. Il aurait fallu le savoir, ça. Ouais. C'est vrai. À l'université de Boston, il travaille à temps partiel au National Yiddish Book Center. Il doit sa célébrité à l'incarnation du personnage, donc Monsieur Spock, dans la célèbre série télévisée de science-fiction Star Trek. Bravo. Et pour son personnage de Paris dans la série. Ça, il joue dans Mission Impossible aussi. Je vous le rappelle. Ah oui, bien sûr. Non, c'est à gauche, Monsieur Spock. C'est celui qui a des oreilles pointues. Mais oui, c'est celui qui a des oreilles pointues. Leonard développa une amitié profonde pour William Shatner qui incarna le rôle du capitaine Kirk. On ne chaille pas quand je lis mon pitch. Et qui déclara: Leonard et moi avons été traités par de méchants antisémites. Pareil, de pareille expérience crée une sorte qui de contexte. Qui passe un peu plus vite parce que j'ai les héros de Sheva moi derrière. Et quand nous apprenions à nous connaître, ces expériences communes nous ont aidé à créer des liens. C'est presque un raccourci émotionnel. Shatner a donc déclaré qu'apprendre les atrocités menées contre les juifs en Allemagne nazie a eu un impact profond sur la vie et sur la carrière de Nimoy. En 1982, Leonard Nimoy, donc la réplique à Ingrid Bergman, dans Une femme nommée Golda, où il incarne Maurice Meyerson, le mari de celle qui deviendra Golda Meyer. Voilà. Amen. Là, amen. Amen. Là, voilà. Voilà. C'est circonstance. Voilà. J'avais pas ça. Alors, mais monsieur, vous voulez dire quelque chose, monsieur Haïk? Alors, après la prochaine question. Ok, allez, fais-moi péter la troisième question. C'est parti. Le petit fils de Gilles. Exactement, Gilles. Très beau, le petit fils de Gilles. Même kippa. Ils ont une kippa dans la famille. Et ils se la donnent de père en fils. Exactement. C'est la même kippa, c'est la même kippa que Gilles. Tout à fait. Alors d'accord. La troisième question, écoutez-moi bien.
qu'est-ce qui, que s'est-il passé pour la première fois, j'ai vu ton petit œil sur la droite comme ça. C'est bien, mais ça donne un charme, mais quand même. C'est triché, ça reste triché. Tricher n'est pas trompé. Que s'est-il passé pour la première fois en Israël le 19 août 1958? C'est la première fois qu'il y a eu quoi? Alors un événement national? Une plage ouverte. Alors non, non. Un feu d'artifice? Non, non. C'est un concert, un concert. La Gay Pride. C'est culturel, ouais. La Gay Pride. Il y a eu Gay Pride, mais c'est plus tard la Gay Pride. Okay. 1958. Il y avait des avant-gardistes, je peux pas en parler là, mais un événement sportif. Certains... Alors, vous étiez deux ou trois alors? J'ai connu deux trois. Bon, avec un drapeau, d'accord. Événement sportif? Non, pas sportif. Théâtre. Culturel. Théâtral. Ouais, culturel. Théâtre, le premier. Danse. La danse classique. Non. Est-ce qu'il n'y a pas un acteur très connu qui est venu en Israël? Non, non. Un festival? Non, c'est pas un festival non plus. Cinéma. Ça se passe encore tous les ans en Israël. Donc c'est le marathon. Shavuot Sefer. Yom Ha'atzmaut. Non, oui, c'est un rapport avec Yom Ha'atzmaut. C'est le jour les avions. Ils n'arrivent pas à chaque rang déjà. C'est un rapport, ça se passe avec le jour. Avec l'armée. Ça se passe. Ah, les mangas. Ça a commencé en août, mais aujourd'hui ça se passe le jour de Yom Ha'atzmaut. L'armée, ça a avec l'armée. Le barbecue, on fait le premier barbecue. Et ben c'est le premier barbecue. Non, monsieur. C'est le président quand le président reçoit chez lui. Non. Non, non, non. Porte ouverte. Porte ouverte chez le président, non. Pas porte ouverte, porte fermée. C'est une bonne idée. Porte fermée. C'est une bonne idée. Ça se passe à Yom Ha'atzmaut. On fait les feux. On fait les feux. On fait les feux. Les Kiki. Le grand spectacle. Ça se passe quelque part. Le Kotel. Précis. Ça se passe. Oui, ça a lieu. Le drapeau. Les dernières années, ça a lieu au Théâtron de Jérusalem. Au Théâtre de Jérusalem. Fête de la musique? Non, c'est pas la fête de la musique. On remet des médailles à tous les trucs, non? Il n'y a pas une médaille qu'on remet ce jour? Non, pas des médailles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Au théâtre de Jérusalem, le soir de Yom Ha'atzmaut. Il me semble que c'est au théâtre de Jérusalem. Je crois que c'est le matin, non, d'ailleurs. Non, si t'es pas sûr. Non, parce que l'après-midi, c'est le prince Israël. Là, il nous induit en erreur. Non, là, c'est sûr. C'est le Rida Natanar. Bonne réponse de Michael Haïk. Encore les rabbins. Encore les rabbins. Ouais, oui. Et de ce côté, Emmanuel, laisse faire. Pour vous réveiller les Marseillais. Les Marseillais. Laisse faire, Emmanuel. Garde le meilleur pour la fin. C'est bientôt la fin, Manu. Il faut qu'on se réveille. Ils sont comme tués. Exactement, voilà, ouais, tout à fait. Vilains, en plus, c'est bien parce qu'il y a eu les sélections maintenant du Ridon Atanar. C'est le premier Ridon Atanar à Olami pour adultes. Alors, dans le cadre des célébrations des 10 ans de l'État d'Israël en 1958, un concours biblique pour adultes a été mis en place. Les gagnants. Ça trichote là. Les gars, c'est toi. Ça, j'aime pas ça. C'est toi. C'est des trucs que je peux me casser. Il voulait se déshabiller. Fais plein large, t'as bien fait, Origine. Depuis le début, il voulait se déshabiller. Voilà. Le gagnant, un concours public pour adultes a été mis en place. Les gagnants des compétitions régionales en Israël ont été invités à participer. Tout à fait. Tout à fait. Au concours national le 4 août. Beaucoup même. On laisse parler le monsieur. Quand il fait son pitch. Pardon. Le 4 août 1958 au Binyané, à hommage à Jérusalem. Putain, Manu. T'as été sélectionné, non, à Yavne, non? Ouais. Au prix d'un Atanar, ouais. Non? Ouais, t'as répondu à quoi comme question? Non, j'ai gagné. J'avais gagné, je crois que je suis arrivé dans les 5 premiers. 5 premiers des derniers. Ouais, ouais. À Yavne ou à Lucien? À Lucien. Ah, ouais, Lucien, je suis pas là pour mentir. C'était Monsieur Benadiba. Monsieur Benadiba. Je suis sur Abou-Sheva dans 2 minutes là. C'est Monsieur Benadiba. Alors viens, on se dépêche. Non, Benadiba, très bien, Benadiba. Le gagnant israélien Amos Raham représenta donc l'État d'Israël en concours international auquel ont participé des candidats du monde entier, y compris des non-juifs. Le concours a eu lieu le 19 août 1958 sur le campus de l'université hébraïque de Givat Ram à Jérusalem en présence avec Ben Gurion, je crois qu'il du président Yitzhak Ben Tzvi, du premier ministre Ben Gurion. Oui, vous l'avez à l'écran. Vous l'avez à l'écran. David Ben Gurion lui-même fervent adepte du Tanakh. Le concours fut entièrement retransmis en direct à la radio. Une seconde et obtient un taux d'écoute de 66% du public juif en Israël. Le concours de 1964 est remporté par Graham Mitchell, un expert comptable chrétien australien. En 1981, c'est le Rav Aaron Ben Shushan qui remporte, et c'est la première fois qu'un aveugle remporte ce concours qui sera réalisé pendant 30 ans jusqu'en 2011, où il sera réinstauré par Binyamin Netanyahu, le Ridon Atanar pour adultes. Il y a tous les ans depuis des années le Ridon Atanar pour les jeunes. C'est le fils de Bibi qui a gagné le Ridon ou non?
Il est arrivé deuxième. Ouais. Pas de politique ici sur le plateau. C'est vrai, t'as voulu jeter un petit. C'est lui qui l'a fait. Si tu peux enlever ta chemise, il peut parler politique. C'est vicieux ce qu'il fait. Ouais, c'est ça, il le cherche comme ça. Alors, monsieur Haïk, vous avez trouvé la bonne réponse. Alors là, c'est que ça se prépare pour Pessard. Où est-ce qu'on en est chez Bon Voyage? Ça se prépare sur Pessard. On a plein de projets. On a fait revenir quelques groupes de Laponie, d'ailleurs. Oui, c'est très sympathique. On développe un peu ce projet-là de. Les gens sont hyper contents, ils étaient à Pourim là-bas, ils sont bourrés en Laponie. En Laponie, ouais. Voilà, et on essaye d'avancer et de faire venir des groupes comme ça, faire partir des groupes en Laponie. Ils reviennent ou les... Donc c'est en hiver Ouais, c'est plutôt en hiver, il faut... La Laponie. Février-mars. Moi, on m'a dit ça. C'est mieux en hiver, il y a de la neige. Je t'arrange ça. Bravo. Voilà. Bah oui, on peut faire un gagnant, celui qui gagne aujourd'hui. Bon Voyage invite un voyage en Laponie. Ce qui répond à la dernière. Ce qui répond à la dernière. Qui tu appelles? Ce qui répond bon à la prochaine question, il part en Laponie gratuitement. Donc voilà, donc pour l'instant, il y a 3-0. Si tu veux partir en Laponie, Manu. On fait un reset. Sinon, c'est Titi et moi qui partons. Voilà, sinon, voilà, c'est eux qui partent en Laponie. Très bien, alors on va continuer. On va essayer de faire gagner quelque chose. Moi, t'es motivé. Et là, je suis motivé. Là, maintenant, c'est bon, c'est maintenant. Merci, Mickaël. Vas-y. Eh ben, on passe à la quatrième question. Allez, on voit. Alors la quatrième question est la suivante. On reste en Israël et attention toi. Moi, la question. Je suis là. Oui. Là il verra pas. Voilà. Mets le casque, peut-être ça va t'aider pour les. Mets ton casque sur les yeux. Voilà. Comme ça tu vois pas. Exactement. Alors quelle est la particularité du lieutenant colonel Giora Even? Alors. Il a qu'un seul bras. Non, il a pas qu'un seul bras. C'est pas bête. Il a une, donc il est infirme. Non, il a pas qu'un seul bras. Non, il aurait pu être infirme. Est-ce qu'il est toujours en vie? C'est pas bête. Est-ce qu'il est toujours en vie? Ah, il est mort. Ah, c'était sa particularité. Oui, mais bon, merci. Je ne crois pas. Il est pilote. D'accord. Il est pilote. On sait pas. C'est l'armée. C'est en rapport avec l'armée. Très jeune ou très vieux. Oui, il peut être encore en vie. Hein. D'accord. C'est en rapport avec l'armée. Il est né en 38. Ah. C'est en rapport avec l'armée, avec l'indépendance. 1938, hein. Ah oui, donc il a fait la guerre de 67. Ouais. C'est un rapport avec l'armée, hein. C'est un rapport avec une guerre. 48, non. Ça n'a pas spécialement de rapport avec une guerre. Il a une particularité, c'est celui... Physique, une particularité physique? Non, pas physique. Intellectuel. C'est un fait d'armes? C'est un fait d'armes, oui monsieur. C'est un fait d'armes. Il parle tellement bien. Exactement, pas appeler ça comme ça, c'est un fait d'armes. Il a tué quelqu'un? Il est tombé, il est prisonnier? Oui, il a tué quelqu'un. Il a tué... Un nazi. Ah, c'est pas lui qui a tué le plus de personnes. En Israël. Il a tué le plus de. Il a d'objets militaires en face de l'ennemi. Oui, mais lesquels? Mais quoi? Mais lesquels? Des tanks? Non. Alors il est dans quelle arme? De l'armée de l'air. C'est l'armée de l'air. Il est dans l'armée de l'air. Alors donc c'est le pilote qui a détruit l'aviation. L'Irak. Égypte. Syrienne. Qui détient le record de? De sortie pendant la guerre. De matériel ennemi. Oui, bon, on va la donner à Manu Kaufmann. On va lui donner. Voilà. Merci. Merci. C'est laborieux. Merci beaucoup. On va te la donner. Merci, bon voyage. Merci à bon voyage. Regarde, écoute quand même la réponse exacte. Oui, rapporté, le mec. C'est le pilote, Giora Even, c'est le pilote de combat. C'est le pilote. C'est lui. Ouais, c'est le pilote de combat qui a abattu le plus grand nombre d'appareils ennemis en tout depuis la création de l'État d'Israël, puisqu'il a abattu 16 avions et un hélicoptère. J'ai dit avion. Voilà. Oui, avion. Donc je l'ai dit. Nous, on a dit avion. Il les a détruits quand? Non, c'est nous qui avons détruit. Pendant la guerre des. Si vous allez. Je pense que c'est plutôt. Si ça t'intéresse et que tu me laisses lire mon truc, tu vas savoir. Attaque. Écoutons ce qu'il y a. Laissez-le lire un peu. D'accord. Alors, Giora Even, né Epstein le 20 mai 1938, est un officier de réserve de l'armée israélienne au grade de Tatalouf. Qui a servi comme pilote de chasse. Pilote de chasse. Epstein, qui a grandi au kibbutz Nekba, est le fils d'Hillel et de Chaya, immigré de Pologne dans les années 1930. Étant d'enfant, il regarde l'entraînement de l'armée de l'air dans la région du kibbutz et lit des livres sur les combats aériens tout en aspirant à devenir pilote. Après s'être vu plusieurs fois refusé l'accès à l'instruction de pilote de combat, le fameux cours Thaïs, il devient responsable de l'instruction de saut en parachute à Tzal, et de ce fait il se rend en France pour une démonstration. Ce n'est qu'en 1963, à l'âge de 25 ans, qu'il est accepté à la prestigieuse formation de pilote de combat dont il sort major. Il est alors affecté à un escadron d'hélicoptères de combat et il refuse et se rend dans le bureau d'Ezer Weitzman, alors commandant en chef de l'armée de l'air, pour le convaincre de l'affecter à un escadron d'avions de chasse, et il parvient en 1964 et intègre par la suite le premier escadron de Mirage 3.
après une belle réussite durant la guerre des six jours, où il abat plusieurs avions ennemis. C'est durant la guerre de Kippour qu'il va spécialement se discader en abattant 7 MiG-21, 4 Sukhoi et un hélicoptère. Il reçoit alors le fameux Itour à Mofet. Il est libéré de l'armée à l'âge de 59 ans, avec son actif plus de 9000 heures de vol. Voilà, hein, c'est quand même, voilà. Donc c'est sûr, monsieur, c'est quand même pas mal. Hein, voilà, c'est ce monsieur qui tient le record. Bon, Manu, c'est. Non, il a, voilà, donc il débloque le compteur. Hein, on est parti, je lâche les chevaux. Alors ça va y aller tout seul maintenant. Ça va rouler là. Voilà, j'ai peur. Mais Averhad là-bas sur la photo, c'est quoi? C'est peut-être son escadron, je sais pas. C'est ce que j'ai trouvé sur Wikipédia, il me semble. Non, c'est pas le. Ouais, tout simplement. C'est voilà. Pas l'équipe avec Ariel Sharon. Non, Ariel Sharon n'était pas dans l'aviation, lui. Non, mais Averhad. Non, mais Averhad, c'est. Ah, tu veux dire kilomètre. Oui, le truc, mais Averhad, sur. Mais c'est peut-être autre chose. Sur la route de trucs. C'est avec Sharon, sur la route d'Elat, mais Averhad, peut-être, tu crois? Peut-être. Non, mais c'est pas l'armée de l'air, là parce que ça. Là, on parle culture. Non, mais Manu, t'es trop fort. Voilà. Tu nous dépasses. Voilà. Choque. Il a des références pour tout, le mec. Il a surtout des références. Parlez bien, mon endroit. C'est bon, je l'ai trouvé il y a deux semaines. C'est deux semaines que je l'ai dans la bouche. On l'a entendu, Exactement. On va te donner une occasion de te taire. Est-ce qu'on m'entend en régie? Voilà, là on m'entend. Tu avais appuyé sur mon micro. Donc je vais te donner une occasion d'augmenter le compteur. Hein. Et donc on va passer à la question numéro 5. Allez, on va. Allez, petit Gilles, à toi. Attention. Hein, Alors la question numéro 5, on va rester, imaginez-vous, dans le cadre de l'armée, dans le cadre de Tsahal. Et la question est la suivante, c'est la question Blitz. Donc vous avez une minute. Pour me dire, et puis j'ai bien fait de préparer cette question au hasard, puisque nous avons deux experts comptables, on va parler de chiffres. Hein. C'est tout à son honneur, il privilégie la tradition à la qualité, et c'est très très bien. Bravo, le cabinet à mots finance. On va parler tout à la main, jamais. C'est pas digital, pas d'ordi, y a rien. Et t'as signé comment tout à l'heure, toi? On va parler. On va parler de budget. On va parler de budget militaire. Et la question est la suivante. Quelle est la hauteur du budget en shekel? 8 milliards. Attribué au ministère de la Défense pour l'année 2019. Alors attention, vous êtes prêts? 8 milliards. Alors on va commencer par Michael Haïk et je vais dire plus ou moins à chaque fois. C'est parti! Alors combien? 8 milliards. C'est plus. 9 milliards. Plus. Non, c'est bien 15 plus. Milliards. Ah ouais. C'est bien plus que 15. Plus. 15 milliards. Ouais. Bah alors vas-y, moi, 50 27. Milliards. 27, c'est plus. En principe, plus. Quand j'en ai discuté. Plus, donne-moi un chiffre, ne fais pas y aller. 36 milliards. C'est beaucoup 500. Plus. 50 milliards, c'est plus. Et moi 97. Moi j'ai vu ça. C'est moins que 89. 89 milliards. Moins que 89. 87. 65. C'est 73. 72. 75. C'est moins que 73. 72. 72. Voilà. Il est là. Bonne réponse de Manu Kaufmann. Il est là. Non, mais j'avais dit. J'avais prévenu. J'avais. Non. Non, t'as dit 72. Non. J'avais prévenu que je l'avais. C'est truqué. Je m'en vais. Allez, je me redéshabille. J'en ai rien à foutre. On me donne ce point, je me déshabille. Vidéo surveillance, je demande à vidéo surveillance. Non, 72. J'ai dit 72 avant la nuit. C'est pas 72, je demande à vidéo surveillance. 72 milliards de chèques. 72 milliards, 850 millions. Faites rentrer les arbitres. Maître Capello, s'il vous plaît. Qui c'est qui a dit 72 en premier? Benichou. Benichou, il est pour Kaufmann. Petit Gilles, il est obligé. Ouais, petit Gilles, ouais. Ah, parce qu'il a dit qu'il était beau. Non, mais Chicha a dit 72. C'est vrai qu'il est beau, petit Gilles. Mais elle a pas dit fort. En plus, il est pas dit. Elle a dit, mais elle a pas dit. Elle a pas dit. Ah non, parce que je suis très discrète. C'est pas mal. Le susurre. Alors voilà. Alors écoutez, je vous fais un petit topo. T'es un copieur. Susurre n'est pas. Je vous fais. Non, alors à chacun. Non, 4, 2. Non. 4, 2. Bah oui. Moi, on a encore 4, 2. Je vais te dire quelque chose. Je vais être honnête avec toi. J'ai 2 points. Mais comme j'ai de la peine avec mon ami, je lui donne un point. Ah, on est ensemble dans l'histoire. Non, on est ensemble, nous aussi. Je te sens vraiment à la traîne. Nous, on a 4. Déjà, son cabinet, c'est tout à son honneur. Il privilégie la tradition et la qualité. Là, il part de très loin. Je lui donne un point. Voilà. Très bien. Alors, écoute, en tout cas, je sais pas, peut-être un peu. Tu auras un jour peut-être gérer le budget de Tsahal. Je sais pas. On est en train d'en parler, mais enfin, ça En tout cas, l'expert comptable de Tsahal, il a du boulot, puisque 72 milliards de shekels, le ministère de la Défense recevra donc. En 2019, 72 milliards, point 2, donc 72 milliards et 200 millions. Je vous ai fait cadeau de 200 millions.
et donc un crédit et un crédit Alain, coup, attention et un crédit supplémentaire pour les années suivantes de 37 milliards de shekels destinés à des projets pluriannuels. Mais oui. Les services de renseignement récupèrent eux un budget de 10,18 milliards, la commission de l'énergie atomique 148 millions de shekels, le ministère de la sécurité publique 19,1 milliards de shekels. Le budget de l'État pour 2019 totalisera combien? C'est le budget d'État d'Israël. Ça vous dit, vous avez une idée? Le budget de l'État d'Israël. Total, c'est au moins c'est total. Pour eux, là. C'est... Voilà, c'est un peu dans le jargon. Je sais pas. 600 milliards. Ouais, 600 milliards. Madame 100 balles, ça y est. On lui donne 72 milliards et hop. Hein, tu vois ce qu'on peut faire plus? Non, c'est... Non, parce que j'aurais dit que l'armée, c'est le plus gros budget. Oui, oui, oui. Oui, mais en tout, il y a les. Ah, mais en tout, en tout, en tout. Moi, j'aurais dit 493, un truc comme ça. Ouais, c'était pas très loin. 480 milliards, voilà, on est là. Je suis pas sûr que ce soit la défense, le budget. Le dépense totale de l'éducation, je crois. Non, c'est le je crois pas que c'est l'éducation. En France, c'est bien sûr l'éducation, mais ouais, non, mais en Israël, il me semble que ça reste quand même l'armée qui a le plus grand budget, le ministère de la Défense, de sorte que les dépenses totales de l'État en matière de sécurité et d'ordre public sont estimées à environ 87 milliards de shekels, soit environ 18% du budget de l'État, ou presque donc un cinquième du budget. Voilà, et je vous ai donc mis à l'écran aussi. On peut remettre les points, voir où on en est. On va l'année, parce que là. Alors attends. Je crois que. Si tu peux remontrer le dessin, donc tu as 48% donc en bleu. Moi, c'est les bleus. C'est ce qu'on achète. C'est ce qu'on achète. En rouge, Mickey. 12,7%. Il privilégie la tradition et la qualité, toujours en vert. 12,7%, c'est la retraite des Khayalim, ceux qui sont des Khayalim en Keva, donc des militaires de carrière. 8,4%, ça va au Shikoum, donc au Khayalim qui sont blessés, et 30,2% va donc au Milouim et au salaire et aux gens qui vont en Milouim. C'est une bonne occasion pour saluer voilà tous pour nos Khayalim dans voilà, le sud. Voilà, exactement. C'est un honneur, Mickaël. Bravo. C'est vrai. Et bravo à bon voyage qui m'a offert un voyage en Laponie pour deux ou trois personnes, ça dépend. On sait pas encore, c'est à négocier. Khayalim dans le sud. Le nombre de personnes est à négocier encore avec Mickaël. Alors on y va. Et on continue. Moi, il est chaud, il est chaud. Il veut gagner, il est chaud. Eh ben, on passe à la sixième question. Allez, au revoir. Comme si le temps passe. Alors, la sixième question, il en restera encore une après. Qui a dit « Ma grand-mère, Lib, est l'héroïne de la famille. Je ne savais rien d'elle. Je ne comprends pas pourquoi mes parents ont tenté de cacher ma judaïté. Lorsqu'on me demande aujourd'hui qui je suis, je réponds « Je suis juif. Ouais, ce qui me définit, ce sont mes racines. » Et j'en suis fier. Qui c'est qui a dit comme ça? Michel Drucker. Alors, est-ce que c'est Michel? C'est pas Michel Drucker. Jean-Pierre Foucault. C'est un comique, pas spécialement. C'est un acteur. C'est un acteur, ouais. Est-ce que c'est un français? C'est pas un français, non. Borek, c'est un américain. C'est un américain. Dustin Hoffman. C'est Dustin Hoffman. Bonne réponse de Michael Haïk, qui ne l'a même pas laissé. Trop fort. Tu l'as dit tout à l'heure, Dustin Hoffman, mais tu l'as essayé de le placer. Ça, c'est le fils de Rabin qui parle. C'est le fils de Rabin, oui. Il savait que. Il m'énerve, ce mec. Vous l'avez à l'écran. Je savais pas. Lib, donc. Exactement. Dustin Hoffman est juif. Dustin Lee Hoffman, né à Los Angeles le 8 août 1937 dans une famille juive ashkénaze d'origine roumaine et ukrainienne. Également producteur et réalisateur, il est notamment connu pour ses prestations d'anti-héros versatiles et de personnages vulnérables. Lorsqu'il annonce à sa famille sa vocation d'acteur, sa tante Pearl lui explique : tu ne peux pas être acteur, tu n'es pas assez beau, mon fils. Arrivé à New York, il partage un appartement avec deux talentueux aspirants d'acteurs, Robert Duval et Gene Hackman. La reconnaissance internationale vient en 1900. On ne regarde pas la prochaine. Mais c'est lui. Vient en 1967 avec Redman, non? Avec son personnage de Benjamin Braddock dans le lauréat, exactement, de Bachelor, ouais, le baccalauréat. Depuis sa carrière, c'est principalement focalisé sur le cinéma. Le lauréat plutôt que le baccalauréat. C'est le lauréat. On peut jouer au baccalauréat, mais c'est le lauréat. On peut dire si on commence à dire n'importe quoi. Avec des retours sporadiques au théâtre. À la Délie d'Elo aussi. Le CAP. Non, mais attends, c'est n'importe quoi. C'était le lauréat avec la blonde très connue qui s'appelle. Du tout.
comment elle est dans le lauréat? Mais non, d'abord, d'abord la plus connue, c'est la madame. Bien sûr. Oui, oui, mais comment elle qui s'appelle. Ah, mais non, elle est brune. Non, mais c'est moi qui ai eu le point. Ça m'échappe, en fait. Ah, je vais te dire, Vas-y, tu peux la googler. Tu peux la googler en attendant. Alors, donc depuis sa carrière, c'est principalement sur le cinéma, ça j'ai dit. Ses plus grands succès sont Little Big Man, Les Chiens de Paille, Papillon, Redman, Les Hommes du Président, Marathon Man, pardon, Martin Kramer contre Kramer, Tootsie, Rain Man, Hook et Des Hommes d'Influence. Ouais, des films facteur, qui deviendront tous des classiques du 7e art. Il a remporté deux fois. Par contre, hein. Oui, il a, mais je voulais pas le dire. Une seconde. Il a dit qu'on parle pas de ces choses-là. Laisse-moi terminer. Behayat Rabak, il a remporté deux fois l'Oscar du meilleur acteur pour ses rôles dans Kramer contre Kramer, Rain Man. 5 Golden Globes et un Emmy Award. En juillet 2010, il décide d'annuler sa partition au Festival international du film à Jérusalem. À Jérusalem. Il est en sous-marin, là. Ah ouais, il est pas... Pourquoi? Il a été, il a été accusé. Vous le laissez finir, Kiki. Moi, je suis tremblé de la main. Monsieur, merci, monsieur. Donc, en juillet 2010, il décide d'annuler sa participation au Festival international du film à Jérusalem, sans donner de raison officielle, mais apparemment en rapport avec l'affaire du bateau Marmara stoppé alors peu de temps avant par Tsahal. Il n'est pas venu, il devait venir. Voilà, il n'est pas venu. Il n'est jamais venu. La prochaine fois, voilà. Dans tous les cas, Dustin Hoffman est juif. Ouais, même voilà. Donc Dustin, bon, si tu nous entends, tu viens quand tu veux, hein. On t'a amené à Manu. Ah bah, avec mon voyage. Manu, tu peux nous amener de Dustin Hoffman. T'as 2-3 copains à Hollywood, Manu. T'as 2-3 potes quand même. Je passe à L.A. demain. Hein? Je passe à L.A. demain. 1-2-1. Ouais, tu passes à L.A. demain. Voilà. Je peux faire. Ouais, exactement. Voilà, tu me ramènes mon fils aussi. Très bien, Los Angeles. Ouais, c'est ça le truc. J'espère que je suis vraiment bien. On refait toute l'émission ou c'est pas la peine? Non. Ah, tu veux tout refaire? Non, on va pas tout refaire. Mais bon, voilà. Donc, effectivement, Dustin Hoffman. Et de là, on va passer à la dernière question. 7e question. Allez, au revoir. Elle a d'air. Ah oui, c'est toujours à toi. Acharon, Raviv. Acharon, Raviv, tu veux dire. Oui, exactement. Alors, la 7e question est la suivante. Le 6 février 2019. Il n'y a pas longtemps. Le site internet du Petit Hebdo nous informe qu'Israël arrive en tête d'une étude réalisée par l'Institut américain Pew. De quoi, sur quoi Israël arrive en tête? Le bonheur. Dans quel domaine? Le téléphone. Pas du tout, c'est dans Internet. C'est l'informatique. Réseaux sociaux. Oui, monsieur Kaufman. Là, monsieur Kiki. Je l'ai eu. Allez. Tu l'as eu, refoiré. Non. Attends, mais comment tu peux douter? Kiki, non, si c'est comme Kiki, ça. Lui aussi il a susurré. Allô, je l'ai dit. Non. On peut remettre. J'ai dit WhatsApp. Et non, mais toi, c'est tout à ton honneur. Tu privilégies la tradition à la qualité. Donc toi, tu étais encore dans les trucs anciens, les bouquins. C'est de Paris, C'était donc ta lecture du Shabbat, c'est le LPH. Alors, non. Si, si. Nous en un peu. Non, si, si. Non seulement tu le lis. Si, si. Je comprends ton état de nervosité. Parce que tu vois, t'es en train de Non, tu m'as pas dépassé. Tu ne m'as pas dépassé. Sur mon petit BlackBerry, je me suis acheté BlackBerry. J'ai joué dans un livre. Ah, tu as vu la formation. BlackBerry, la tradition. Simplement. Et je peux encore le montrer. Oh mon Dieu, tradition. Je remets la kippa. BlackBerry. Et donc, l'Institut américain Pew a réalisé une étude sur l'utilisation des réseaux sociaux et la possession de téléphones portables dans le monde. Sans grande surprise, Israël est en tête de classement avec 77% de la population. On est toujours en tête de tout, c'est bien. Une seconde qui utilise les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etc. Israël dépasse ainsi la Corée du Sud, 76%, la Suède, 73%, les Pays-Bas, 72%, et même les États-Unis et l'Australie avec 70%. Pour l'utilisation des smartphones ou autres appareils, Israël a dû se contenter de la deuxième place mondiale. Hein. L'Institut Pew estime à 88% de la population israélienne de plus de 18 ans qui possède un smartphone et 10% possèdent d'autres modèles. Seuls 2% des Israéliens adultes ne posséderaient pas ce genre d'appareil. Le premier pays au monde à utiliser les téléphones portables sont le Liban. Non. On en connaît une déjà. C'est un peu Israël. Israël à la deuxième place qui utilise les téléphones portables. Le premier pays. Quoi? Les États-Unis. Non, le Japon, la Chine. Japon, mais c'est c'est pas Japon, mais c'est dans Taïwan. Non, c'est à côté du Japon. La Thaïlande. La Corée. Ouais, c'est la Corée du Sud, c'est les Coréens les premiers. C'est un demi-point, on va te donner un demi-point. Mais il est toujours loin derrière. Alors donc, comme cette émission arrive à sa fin, hein, on va faire les comptes, hein. Ouais, fais les comptes. On a deux experts comptables. On va aller là. Par Alain, va sortir ton. Alors Alain, allez. Monsieur Alain, mon expert comptable, on fait les comptes. Ok. Alors moi j'en ai quatre, du coup, si on fait le. Puisque c'est lui qui parle. Fais la synthèse alors. Donc on a Emmanuel, tu as eu 2 points.
Non. Oui. Je pense qu'on est sur 3. 2,5. Attends, on est sur 2,5. On est sur 3. On est sur 3. Non. Plus le bonus de la dernière, c'est 3,5. J'ai eu le truc de la Laponie. J'ai eu 72. Il vient de la France. Je sens qu'on va se faire massacrer à ce moment. Et alors, donc Titi, combien? Titi, 4, c'est ça? Merci. Merci Alain. Il n'y a que cette question. Je suis à 3,5. Avec un bonus. 7 moins 3,5. Ça peut faire 3,5. Et Aïk, combien pas gagné? 2. Il y a des questions qui valent deux. Vous voyez la qualité du cabinet à mon finance. 7 moins 3 et 3 même 4. Eh ben putain. 7.3. Et même quand vous êtes en déficit, vous êtes en bénéfice chez Amofinance. Il privilégie la tradition, le bénéfice à la qualité. Hey, c'est honteux, c'est honteux comment tu parles. Eh ben bon. Très bien. Eh ben c'était 2 points pour toi, c'est ça. Voilà. Ouais, 2 points. Donc c'est a priori c'est Titi qui a c'est Manu qui a gagné. C'est moi qui ai gagné. Donc Manu et Titi, vous partez ensemble en Laponie, les billets sont salés. Merci Mickaël. On fait comme ça. Moi je les accompagne à l'aéroport. Comme ça attends, on fait quelque chose. Très bien. Eh ben comme ça, tout le monde est content dans cette émission. Merci. Kiki. C'est la fin de cette émission. Émission. Au revoir à tous. Merci à Alain Moyal, Manu Kaufmann, Chichi Berda, Mickaël Aïk. Oui, ça dégénère. Allez, à bientôt, on va le laisser. Oui, là, c'est bien. On va le voir tout de suite. La question, on va le voir tout de suite.